Voilà l'entrée du port de Port-Grimaud. Il n'y a pas beaucoup de place entre la bâbord rouge et la tribord. Et il n'y a pas beaucoup de fond par ici. Ah, plutôt par là. Voilà, nous quittons Port-Grimaud. La place était juste là. Très sympathique petit coin. On attache laquelle en premier, l'arrière ou l'avant? Je vais arriver 45 degrés et ça va se plaquer tout seul comme ça. Je m'occupe de... Carburant, en espérant que celui qui est devant, eh ben si, il va s'y mettre aussi. Ouais. Bah oui. Ça y est, nous repartons de la station. C'est pas très large là, hein. À tribord, nous avons juste ici Saint-Tropez. Trois gendarmes à l'horizon. Départ de Port-Grimaud il y a une heure. On a fait le plein de carburant. Et il fait beau. On est grand voile établi avec un vent au 100. On va être obligé de faire un empannage de toute façon au bout. Pas loin de 150. On a tendu le frein de baume pour éviter d'avoir une surprise, un empannage intempestif. Parce qu'il y a pas mal de bateaux qui brassent de la vague dans le golfe. Et c'est pas très confort pour la baume et pour nous. C'est magnifique ce voilier. Pa, 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 pa.
très très beau. Dommage qu'il ne soit pas sous voile, ça doit être magnifique sous voile. On aille passer la cardinale qui est là-bas. On est au près. En plein. Et il y a toujours du vent. On a 20-22 nœuds de vent. Ici évidemment la gazinière fait foi. Il avance le petit Antecum. Le chaton. Non, non, c'est pas une heure pour le chaton d'être dehors. Non, 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 non. Cet après-midi, ben on remonte difficilement le vent. On vient de reprendre un petit peu des forces. Catherine aussi. L'air est pas trop démonté, mais ça souffle. Allez, on va aller passer notre cap et après on va aller se mettre au mouillage. Pour ce soir, ça sera pas la badine, c'est trop compliqué. Prendre cette nautique à remonter le vent. Chaud, chaud, chaud. On a quand même pas mal avancé. Bon, Catherine, on va virer de bord en espérant que ça passe cette fois-ci ce cap qui est ici. On a du mal à le passer, hein. Punaise. Alors là, le bateau, il est sur son meilleur bord. C'est celui qu'il préfère. Là, on vient d'encaisser avec deux riz, 27 nœuds de vent. Et ça
Va très bien. Ah, petite accalmie. On essaye de trouver un mouillage. Où est-ce qu'on est là, tu as dit, Louloute? Ah, Cavalaire. Donc Cavalaire, mouillage organisé. Il y avait une petite tente, donc on est venu. Mais on s'est fait jeter parce que il n'y avait plus de place pour les plus de 10 mètres. Ils n'avaient pas de bouée. Ils n'avaient pas de bouée qui était susceptible de tenir notre bateau. Voilà. Donc on va aller un petit kilomètre plus loin, et apparemment là-bas il y a de quoi mouiller, donc on va s'y mettre. Voilà, nous sommes amarrés dans la baie de Cavalaire. La douche est prise, la grand voile est rentrée, est rangée. Navigation de 30, combien je t'ai dit, 2000, 39 000 aujourd'hui en zigzag. On va remonter le vent, donc il était fort, on a eu jusqu'à 27 nœuds. Tout à la gîte. Le bateau, ben, nickel, rien à redire. Et voilà le parcours d'aujourd'hui, avec des pointes jusqu'à 9 nœuds. 8h10 pour 39 nœuds, mais enfin là-dedans, 8h10, j'ai mis en route déjà avant la mise en route du moteur. Il y a là-dedans, il y a le ravitaillement, l'avitaillement de gasoil. Donc j'ai pas restoppé. En fait, on est resté une demi-heure ici, là à peu près, au ravitaillement, le temps que les autres bateaux dégagent. On a fait un petit rond ici, puis après on est venu quand même s'accoster. Et puis voilà. Donc ici on a sorti de GV. Alors, je vais y arriver. Et puis là, c'était parti. Avec une prise de riz, déjà. Ici, donc prise de riz renvoie les Génois. Et après, on est resté sous donc un riz qu'envoie les Génois. Et nous voilà, ici, arrivés dans la baie de Cavalaire. Ce qui était prévu au départ, c'était la Badine, mais compte tenu que le vent est comme ça, ici là, impossible d'aller plus loin aujourd'hui. Ou alors il fallait aller jusqu'à pas d'heure. C'était pas ce que l'on souhaitait, on voulait faire une pause. Donc demain, on poursuit la remontée vers l'est. Les chats en avaient marre aussi. Minette est là. Eh ben Yoko. Ben ma chérie. Dis bonjour. Et Néon. Qui a été malade. Qui a été malade, oui, le pépère. Il a été malade, ce petit pépère. Voilà, maintenant, on va casser une petite croûte.